Salut les gens, j'espère que vous allez... On l'a refait. Salut les gens, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Et comme vous le voyez, nouveau décor. J'espère que ce nouveau décor vous plaît. Le but étant, c'est d'améliorer la qualité vidéo afin que les vidéos soient plus agréables à regarder. Donc voilà, n'hésitez pas à me donner votre retour, votre ressenti sur ce nouveau décor dans les commentaires et ça me permet de m'améliorer au fil du temps. Et donc aujourd'hui, nouveau tour de magie expliqué. Vous allez voir une tour 100% automatique très facile à réaliser, idéal pour ceux qui débutent la magie. Vous verrez, le spectateur participe également aux manipulations et vous verrez, le final est vraiment magique dans la méthode. Comme d'habitude, la démo et bien sûr ceux qui souhaite apprendre à réaliser ce tour, vous aurez le lien de la vidéo explicative dans la description. Allez, c'est parti! Allez, on se retrouve pour la démo de ce tour, et pour ce tour j'ai préparé au préalable les 4 rois que je sors et que je mets sur le côté. Bien entendu, on pourrait utiliser les dames, les valets, les rois ou même les as. Ça, il suffit que ce soit un beau carré, donc moi ici j'utilise les rois. Par la suite, le reste du jeu va être tendu au spectateur pour qu'il puisse le mélanger, hein, pour prouver qu'il n'y a aucune préparation, comme ceci. Et derrière, vous allez voir, on va faire en fait 6 paquets. Donc c'est le spectateur qui peut le faire, ou le magicien, c'est vous qui voyez. Donc c'est la phase un petit peu longue du tour. Je vais la passer en accéléré pour que ça soit plus rapide sur la vidéo. Mais voilà, il faudra faire uniquement 6 paquets comme ceci. Vers la fin, vous voyez, il vous reste 2 cartes. Ces 2 cartes, vous les tendez au spectateur comme ceci. Les paquets, vous les alignez proprement, pour que ça soit plus simple et plus agréable à regarder. Et vous demandez tout simplement au spectateur de choisir 2 paquets et de poser les cartes sur les 2 paquets qu'il aura choisi. Alors vraiment, hein, ceux de son choix, imaginons qu'il choisisse ce paquet, donc on le met un peu plus en avant, et on va dire celui-ci par exemple, hein, vraiment ceux de son choix, il n'y a aucun forçage. Hein. Nous reste 4 paquets, c'est là qu'interviennent les rois. On place un premier roi face en l'air, deuxième, troisième et quatrième. Et là, on demande de nouveau au spectateur de choisir de retourner 2 rois, ceux de son choix. Imaginons celui-ci, ok, et allez, celui-ci. Hop, il retourne. Ça aurait pu être n'importe lesquels. Hein. Et avec les paquets, on referme pour recouvrir les rois qui sont restés face en l'air. Nous reste maintenant 4 paquets, et là, c'est maintenant que le spectateur va choisir 2 cartes, ou si vous avez 2 spectateurs, c'est encore mieux. Et pour ce faire, vous demandez au premier spectateur de couper ce paquet, juste ici, et de prendre connaissance de la carte qui est ici. Vous n'êtes pas censé la connaître, donc il prend connaissance. Moi ici je la vois, c'est le 3 de carreau, mais normalement le magicien ne le sait pas. Il la repose, et le deuxième spectateur coupe ce paquet pour recouvrir la carte que le premier a choisi, et prend connaissance de la deuxième carte, ici le 6 de cœur. Donc 2 cartes choisies, vraiment libres, hein. On récupère le tout, on perd le tout, comme ceci, vraiment c'est propre, c'est net. Le magicien là, il est incapable de savoir où sont les cartes, on est bien d'accord, et il ne peut pas connaître les cartes non plus. Vous reprenez le jeu comme ceci, et là vous allez faire 4 paquets, vous distribuez comme tout à l'heure, c'est un petit peu long mais il faut le faire, voilà. Vous faites 4 paquets avec tout le jeu, et vous allez voir, c'est incroyable, car sans que rien ne se passe, en réalité il se passe quelque chose d'extraordinaire avec les cartes. Vous allez voir, vous faites 4 paquets comme ceci, vous reprenez les paquets, vous les reconstituez, hop. Et encore une fois, de la même façon, 4 paquets. Vous allez me dire, mais où ça mène tout ça? C'est un petit peu long, un petit peu chiant peut-être, je ne sais pas. Mais vous allez voir, en faisant exactement ces mouvements, quelque chose d'extraordinaire se réalise. 2 cartes choisies par le spectateur. Et regardez bien, si on prend tous les paquets, qu'on égalise le tout et qu'on fait un ruban, et qu'on regarde, 2 rois se sont réunis. 2 rois ont pris un sandwich, une carte. Si on regarde la carte, c'est le 3 de carreau, l'une des cartes du spectateur. Et si maintenant on prend le jeu et qu'on l'étale de nouveau en ruban, et qu'on cherche nos 2 rois, on a bien 2 rois qui se sont retrouvés et pris un sandwich, une deuxième carte, la deuxième carte choisie du spectateur. Et bien entendu, tout peut être laissé à l'examen, il n'y a absolument rien à voir. C'est un vrai miracle, 100% automatique. Et voilà, j'espère que la petite démo vous aura plu. Vous l'avez vu, un tour vraiment automatique que vous allez pouvoir apprendre très rapidement, même si vous n'avez jamais fait de magie. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de me lâcher le gros pouce bleu. Et si vous avez des questions à me poser, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux avec Facebook et Instagram. J'y répondrai avec plaisir. Également, mon école de magie gratuite en ligne, www.magistreaming.fr, où vous allez pouvoir retrouver les bases de la magie des cartes et de la magie des pièces à travers des vidéos pour apprendre les techniques de base, et également retrouver des tours expliqués pour accompagner toutes ces techniques.
gimmicks. Également la plateforme de VOD avec des tours plus élaborés en passant par la création de gimmicks et bien plus encore. Et depuis peu, vous pouvez souscrire à Tuto Magie Premium sur YouTube afin d'avoir accès à du contenu exclusif, que ce soit dans les vidéos, dans des posts, des emojis, etc. Bref, si vous souhaitez me soutenir, tous les liens sont dans la description. Allez faire un tour. Je remercie toutes les personnes qui ont déjà souscrit à l'offre Tuto Magie Premium. Ça me fait vraiment plaisir. Quant à moi, je vous dis à très vite, plus vite que prévu même, pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.